Bon, c'est au tout début, effectivement, quand j'écrivais dans les revues et j'ai publié L'art aux yeux pères, et j'ai tout de suite été cataloguée comme néo-romantique. Alors, parce que j'employais des thèmes qui étaient romantiques, empruntés au romantique, et j'écrivais d'une manière très classique. Alors, ce livre a fait école, finalement, auprès de la jeune poésie contemporaine, mais ce n'était pas du tout mon intention. Et alors, j'ai réagi, effectivement, et j'ai sorti donc un ouvrage l'an dernier, un disque, où les thèmes sont beaucoup plus divers et la manière d'écrire est beaucoup plus éclectique. Et c'était une manière justement de montrer aux gens que je n'étais pas essentiellement néo-romantique, que l'on évolue avec le temps, on fait partie d'un univers et qu'on ne peut pas toujours être exactement, écrire toujours de la même manière, comme un peintre utilise toutes ses couleurs, un écrivain peut écrire de différentes manières. Et je n'aime pas du tout les chapelles et les écoles, donc ça a été une sorte de réaction. En fait. Et cette réaction, vous nous en donnez encore un exemple, voilà. Avec un poème que vous avez intitulé tout à fait différemment, bien entendu. Les lèvres du monde, et qui est extrait donc de ce disque. De Torrent. Ce disque, Torrent. Les lèvres du monde s'ouvrent à la débauche et laissent couler la glaire de la rage. Des flaques flottent à la surface. Un vase vogue sur une vague. Une poubelle pollue la plage. Un moteur monte la dune. Les gens se gênent. Les corps s'écrasent. L'odeur dit. L'écume coule sur le cou des hommes qui courent constamment. D'égoïsme couronné, de courage dépourvu. Monstres mouvants, en multitudes multiples. Vagues voraces. Vent qui emporte, vent qui renverse, vent qui n'entend, vent qui ne défend, vent qui tue en ne faisant rien, étouffé sous les fumées, je fuis sur les notes qui volent vers le silence.